Bonjour, c'est Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je voulais vous parler du roman de Danan Miller, édité au Cherche Midi, qui s'appelle « Du même sang ». Ce premier roman parle de l'histoire des femmes noires aux États-Unis des années 60 au début des années 2000. Il parle donc des femmes, de la condition des femmes, de la place de la femme dans la société américaine, de son évolution aussi, mais il parle aussi de ségrégation, de la différence entre les États du Nord et les États du Sud, de la différence culturelle et religieuse, la place du mysticisme face à la religion chrétienne par exemple. Mais surtout, ce livre parle d'amour, d'amour filial, d'amour maternel, des sacrifices que l'on fait par amour, des erreurs aussi et de transmission. C'est une véritable traversée des années, pendant 50 ans des États-Unis, grâce au portrait de trois femmes fortes, trois femmes humaines, à qui la vie n'a pas forcément toujours fait de cadeau. C'est pourquoi ce roman est divisé en trois parties, trois livres, où c'est une narratrice à chaque partie, et on verra que ces femmes sont liées intimement entre elles. Donc l'histoire commence en Caroline du Sud en 1965 avec Grace, puis se poursuit avec Dolores et se termine ensuite avec Ray dans l'état de New York au début des années 2000. L'autrice, Danan Miller donc, a mis un peu d'elle dans chacun de ses personnages. Elle a puisé dans son histoire personnelle, donc je ne vais pas vous révéler les secrets, sinon ça va divulgâcher toute l'histoire. Mais elle nous offre un destin, elle nous offre un cadeau vraiment précieux en écrivant le destin de ces trois femmes. Donc vous voilà, c'est une lecture captivante, intransigeante aussi, vous voyez, à peu près 600 pages, mais on en ressort plus reconnaissante que jamais pour les femmes qui nous ont précédées.